Esaïe dit, Isaïe Lobi, un enfant nous est né. Moi na moko abota melibiso. Un fils. Ya mobali nous est donné. Apesa melibiso. Je confirme la parole d'Esaïe ce matin. Na kokisi pe na petit secret le bana Isaïe na tongo. Un fils nous est donné. Moi na moko mobali. Esaïe a dit on l'appellera. Esaïe ba ki ba kobia. Mais moi j'ai dit on l'appelle maintenant. Ça singa melibiso Esaïe puto biangiye. On l'appelle maintenant. To biangiye Esaïe bi. Admirable conseiller. Mon précitoli malam. Car toute la domination. Esaïe a dit reposera. Mais moi j'ai dit repose. Sur son épaule. Esaïe a dit. On l'appellera. Prince de paix. Mais moi je l'appelle. Il est prince de paix. Il est père éternel. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu créateur. Dans la Bible dit dans le livre de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Apocalypse 19, 21. Si son nom s'appelle la parole. Lis là-bas. Oh, est-ce que je suis en train de m'adresser à une parole? Tu es le résultat de sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu es le résultat de sa parole. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vois les matières qu'on t'a fabriquées. Ça s'appelle la parole. Donc tu es la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Si je suis la parole vivante. Les témoignages vivants, c'est toi. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons décoller? Alléluia. Bénis d'abord ton voisin, béni. Pambola na nous, talent de kapene. Bandako pambola e. Ninga na kotika lokole ke kote, ninga na bouge. Ndekosa lobo commence mama lozo pambola e. Pambola e, pambola e, pambola e. Pambola ndekosa pene na yo, pambola e. Pambola, pambola ozo tambo. Oh, yo tell me where ni. Kote le mesika mo kote tambola pambola ndekosa pene na yo. Écoute ceci. Yoka. Écoute ceci. Yoka. J'ai besoin. Nana posa. De recevoir. Yako yamba. La bénédiction. Li pamboli. D'un béni. Yamoto a pamboma. Est-ce que un béni peut me bénir? Motomoko a pamboma. Oh, est-ce que un béni peut me bénir aussi? Motomoko a pamboma. Je reçois tes bénédictions. Na yambi li pamboli na yo. Je reçois tes bénédictions. Na yambi li pamboli na yo. On dirait que Moutouma va comprendre. Est-ce que Moutouma va comprendre qu'il est béni? Yo! On se salit comme pas, maman! Amen! Amen! Les surnaturels. Oye, les kilikolo! Les surnaturels. Hébreu 11. Premier verset. Nous sommes dans le livre d'Hébreu, chapitre 11. Le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Oh, la foi! Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Acclamons pour la parole, veuillez vous asseoir au nom de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Les surnaturels. Maye mamona na kate na miso ya bomoto. Qui est les naturels de Dieu. Yangonde ezali maye nzamba monaka. Qui est le monde de Dieu. Yangonde mokili nzamba fandaka. Amen. Amen. Donc Likoloba,
Je voudrais d'abord te bénir. Je te bénis. Je veux que la parole de ce matin te bénisse. Amen. Les surnaturels. Nous allons faire une petite récapitulation de ce qu'on avait parlé la fois dernière. Pose un peu la question à ton voisin. Tu étais où le mercredi et le vendredi? Nous avions été bénis par le prophète Jean-Paul le vendredi. Parce qu'il est en train de parler aussi sur la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La foi. Qu'est-ce que nous avions dit les dimanches passés? La foi est la vertu qui amène les surnaturels de Dieu. Alléluia. La foi est une vertu qui amène les surnaturels dans nos vies. Et nous avions parlé sur deux petites clés. La première clé, nous avons parlé sur la loi de la perception. Et la deuxième, nous avions parlé sur le chant, préparer son chant. Alléluia. Amen. Préparer son chant. Qu'est-ce que j'étais en train de dire les dimanches passés? Nous tous, nous avons la foi. Mais or, en réalité, la foi est affaiblie. Ce qui nous manque, c'est la ferme assurance. Alléluia. Amen. C'est la ferme assurance. Suivez très bien. Hébreux nous dit, or, la foi est une ferme assurance. Assurance de choses qu'on espère. Cette première partie nous décrit la manière dont nous devons procéder. C'est là où il y a même les secrets, la première clé. C'est la loi de la perception. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Pose un peu la question. Qu'est-ce que tu espères? Voilà comment rendre vivant ton rêve. Tu dois espérer à quelque chose. Or, Hébreu ne définit pas à l'imbolité la foi kondima, mais Hébreu parle des conséquences de la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Hébreu ne définit pas la foi ebele, à l'imboli kondima, mais Hébreu parle des conséquences de la foi. Aujourd'hui nous allons définir la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? J'ai besoin amen. De t'écouter. J'ai besoin que tu sois là présent. Nazana poso zala walelo. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Sois connecté. Alléluia. Amen. Les conséquences de la foi. Nous sommes dans la ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce qu'on espère à quelque chose? Est-ce qu'on espère à quelque chose? C'est ça le problème. C'est là où tu dois rendre vivant ton rêve. Je sais que nous tous nous espérons quelque chose. Pasteur Harvey, Harvey, tu espères à quelque chose. N'est-ce pas? Regardez maintenant là où intervient la loi de la perception. J'espère à la grandeur. Mais je suis vague. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aspire à la grandeur. Quand je dis j'aspire à la grandeur, je suis vague.
Je dois être précis. Il s'agit de quelle grandeur que tu as. Lorsque tu définis la grandeur, c'est alors que tu vas rendre cette grandeur comme un rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où intervient la loi de la perception. Amen. Amen. J'aspire à la grandeur. Mais quelle grandeur? C'est la grandeur. Amen. Amen. Chef du quartier, c'est la grandeur. Mais tu aspires à la grandeur. Il s'agit de quelle grandeur? Je suis en train de prêcher à quelqu'un là-bas. Avant-hier, j'étais en train de parler à quelqu'un, à une dame. Elle est la femme d'un pasteur. Elle me dit, nous sommes en train de prier pour que Dieu nous envoie les partenaires. Moi, j'ai dit, moi, je ne prie pas ce genre. Moi, pas ce genre de prière. Que Dieu nous envoie des partenaires. Que Dieu suscite les partenaires parmi nous. On a besoin que Dieu puisse nous envoyer des gens riches. Mais il y a des riches, des potentiels riches parmi nous. Amen. Et c'est quoi, je pensais que j'étais en train de parler à un riche. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à un riche en devenir. Talamakam. Oh. Que Dieu nous envoie des ministres. Mais nous avons des ministres en devenir. Ouais, je le crois. Il n'y a qu'un ministre en devenir qui peut comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Que Dieu nous envoie des généraux. Mais il y a des généraux en devenir. Parce que la gloire de Dieu s'est cachée de choses. Quelqu'un que vous voyez aujourd'hui qui n'est pas vraiment gradé. Dans lui, c'est quatre étoiles. Amen. Amen. Et puis, ce qui est vrai, na momo tozo kende. Na makambo ezo kende. Il faut mikolo yonzambazo Salomoni élection l'année prochaine gouvernement c'est que Kobima. Amen. Amen. Zambasa la ke batuna bisope bakota pe na mouvement yasika. Tala makam. Les sous Amen. Amen. Tu as tous à la peine d'avoir généraux, tous à la peine d'avoir colonel, colonel, peine d'avoir ministre. C'est possible. Et qui consale parce que l'est surnaturel de Dieu. Maïa maman on a le monde de la possibilité. Amen. Amen. Le monde de la poste. Et ça, il y a ma coquille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dis à ton voisin, tout est possible. Ah, il y a des gens qui sont salés. Si tu as dit que tu es salé, il y a des gens qui sont salés. Si tu as dit que tu es salé, il y a des gens qui sont salés. Je vais vous donner un veste pour comprendre. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à autre? Amen. Il est surnaturel de Dieu. Amen. Amen. Le monde de la possibilité. Mokili ya makoki. Omoni pe na moment tozo kende. To kende pe na ba frère mususu. Frère. Toza la pe besoin à moi ba tupe makasi na kati église. Tamakam. Na zo expliquer pourquoi. Amen. Pese explication. Oui, mais pourquoi? Tolongwe na dimension yo nzamba zo pambola toza pe na ba autorité mais dans l'entretien na église toza pe na mwa bato makasi po eko sala ke nzambe pa pamboli bato mususu baye aye na culte boya na $10,000 muyibi pe azali mais muto makasi o muyibi alinga zo sac muto makasi o mrengeye akanyi est-ce que toza na ba mettre a rien atabo kote a rien do ba ko beta ngata Maître,
Amen. Est-ce que tous allons mettre, mettre ceinture noire? Ouais, puis ma ceinture noire. Ah. Madame. Ah. Christian. Ah, ah rien. Ah. Eh, rien. Il faut après qu'il te boit mes cananes à l'Iban. Christian, aux ceinture noire, au salanine. Jido. Ah, 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 ah. Papa, ce qu'on croit ici, mouton, t'es. Nani Soussou, maître Moussou. Wapi maître. Bien aimé, comment on a. Pardon? Cédric. Frère Cédric. Hein, au salanine. Oh! Ah! C'est crème. Donc frère qui s'est accueilli. C'est pas possible. Frère qui s'est accueilli. Maître des Azala Moukwanzi. Donc, si je comprends bien l'église mobile, maître Kamo. Mais je suis en insécurité. Yo pose un maître. Non, ça maître. Awangari. Tête la boy. Non. Bon, mais là, t'as moi ma bende. Ah. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tes folles? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La loi de la perception. Mon peco ya bomoni makambo. Est-ce que tu crois quelque chose? Yo ndi makanelo komoko. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que tu as... Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu as des rêves? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ta vie? Non, on a vendu. On a chrétien lelo, chrétien lelo, Yebisa voisin menacé ye na yakoti kayote. Ko menacer la ninga mabete. Ndenge ya ya na yakoti kayote. Na yakoti koti. Na yakoti kayote. Tala, yebisa ye boy. Na yakikota la vie no lo kwa filme te. Tala makam. Eza ya conflit te, eza koloba. Ya vérité ne. C'est une déclaration. Ezali maloba ya koloba, yebisa kwen. Or la foi. C'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Moi, la question que je te pose, est-ce que tu espères à des choses? Alléluia. Amen. Est-ce que tu espères à des choses? Tu espères à quoi? Au mariage. Tu espères à quoi? Au voyage. Tu espères à quoi? Aux études. Qu'est-ce que tu espères? Alléluia. Amen. Si moi j'espère ce qui à la grandeur, na bonene, je dois être précis et concis. Amen. Amen. Je dois être précis. Et il s'agit de quelle grandeur? Zande bonene, nini. Pas de manière vague. Na pas de manière bate. Superficielle. Ta likolo likolo pete. Mais de manière précise. Je veux devenir un tel dans la société. Na boye Amen. Amen. Et c'est alors tu commences maintenant à rêver de ta vie. Petit à petit, tu t'approches à la réalité. Parce que lorsque nous manquons la sphère assurance, on peut avoir la foi d'une manière vague, mais on est loin de la réalité. La seule manière de s'approcher à la ferme assurance, c'est de rendre vivant ce que tu espères. Amen. Ce que tu espères. J'espère. Moi je dis un exemple. Je ne suis pas en train de m'attaquer au gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est un exemple que je suis en train de donner. J'ai dit par exemple, moi je veux devenir gouverneur de la ville de Kinshasa. Amen. Amen. Je veux devenir gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que je dois commencer à faire? Et chaque fois, je vais commencer à chercher maintenant les faiblesses. Et si tant on attend, on a la gestion de la ville. Nabokambi.
Kinshasa. Comment la ville est gérée? Kinshasa va ça la population qui noie se plaint de quoi? Bah, va dire Kinshasa va ça couler la nini. Amen. Amen. Généralement aux années, yoga siko, bah qui noie, mingi va se plaindre comme salité les qui na Kinshasa. C'est ça non? Mm. C'est ça la vérité. Vous êtes, hein? Amen. Amen. Mais toi, tu espères devenir gouverneur un jour. Mais chez toi, kasi pas yo. Salité zanano. Foulou. Gouverneur de. Tu n'as pas entendu kuno moko. Entre nous. Tolo banana nubiso nabiso. Kosukola difficile na ilanga surtout les hommes. Hein. Otse katikati ya cantine que pour passer la cantine les hommes ici katikati. Bandeko mibali. Oya qui pas au passa qui natongo. Soki. Hein. On remarque que ndeko na yo pembe na sukola kite ikampiko. Koki m'eklesia te. Tata kashne. N'esprit à Covid. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est un exemple que je suis en train de te donner. Tu veux devenir gouverneur. Tu regardes les faiblesses de la ville. C'est que la population qui noie se plaint. Toi maintenant, tu dois commencer maintenant à étudier. Pourquoi? Pourquoi t'es les angles? Moi, le jour, je serai gouverneur. Voilà ce que je vais commencer à faire. Ça veut dire que tu es en train de rendre ton rêve vivant. Amen. Petit à petit. Mais tu es encore loin de cette réalité. C'est comme tu es en train d'intérioriser cette grandeur en toi. Même ta façon de te comporter. Tu dois savoir que tu es une personne. Et si tu es en train de se faire, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis destiné. Israël, même quand il était en Israël, s'est comporté différemment des autres. Et pourtant, il était dans l'esclavage. Vous savez pourquoi? Parce que Israël savait qu'il avait une destinée. Quand tu as une destinée, tu dois faire attention avec le présent. Tu ne peux jamais préparer l'avenir demain. On ne prépare pas aujourd'hui. Rendre vivant ton rêve. Amen. Amen. Comment je vais rendre chaque jour? Je m'intéresse à la gestion de la ville. Je m'intéresse à la ville. Nous avons combien de communes? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ces rêves là de devenir un gouverneur de la ville jour dans l'église Mokambi Kilo Pasteur Moïse le prophète Pasteur Moïse baza gouverneur baza ibele bago trois futurs gouverneurs bao ba Kokamba Kinshasa mususu kuna na suka baza mwebele ba gouverneur bon na tuni bino Kinshasa c'est dans combien de communes 26. Bon. Bah suite. Bah gouverneur va vivre 26. Yo ko gérer mboko yebite. Déjà. Bah lobi ba province. Okoyi. Bah lobi ba province même lobi ba commune à Kinshasa. Yo ke na ba province. Tu as déjà échoué. Olongite. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. J'espère à quoi? Na sa koli ke nini? J'espère au mariage. Mais regarde la vie que tu veux. Yo moi si moko mouke. À peine 25 ans. À peine 25 ans. Vous avez ma chérie 4. 4. 4. Bah voilà ma base. Ma ténor, ma 7. À peine 25 ans. Kakasika, vous la tournez la mitaine. Ozo chérie, bango bien. Bango nyoso. Basse rose, colandage, les témoins, les qui. Ce qu'a dit, sa mort, sa vie, au moins, ce qu'a dit, parmi ma quatre mots, à la très méchant, oncle, à la canda. Canda, ma casse. A l'ingrabe, le comme au boulot test. Ça dit, à sa copée qui sont s'approcher, n'a été dans le poussin. Amen. Amen. Mais, oui, mais moi qui l'ai, ça va très compliqué. Chez nous, généralement, le jour où on va te présenter dans la famille, au moins, on a quand même tout mot, quoi, ça, à toi, Aïeba. Aïebio. Moko. Beaucoup t'en a quelque part. Tu m'as parlé d'autres, bah y'a pas qui ont été m'ont parlé d'autres. Muta ko y'a pas yo. De tout mon chéri ya Joe. Y'a yo. Na y'a bien. Petit toi. Na y'a bien.
Dis-moi Amen. Mm. Dis-moi Amen. Amen. La lingua ebisa ba serti kabis bilula lula. Ah, ils amagamba oswana te. Ah, pe baswana kate. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. J'ai beaucoup de choses à te parler aujourd'hui. Sois seulement connecté. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on espère? C'est ça le problème. Parfois, on est en train de prêcher des gens qui sont comme tout le monde. Moi, je suis en train de prêcher aux gens particuliers. Aux gens qui ne vivent pas comme tout le monde. Aux gens qui ont des rêves. Si je pose la question, même ici dans l'assemblée, il y a des gens qui n'ont pas de rêves. Ils se réveillent le matin. Frère. Papa Sunda Zabi. Ma maman Moko. Papa Sunda était ma cible au fait, il y a l'évangile. Chaque fois. Na poko na ukaka. Sunda tika sunda tika. Atombo kakak. Ngana vanda zaki na biloko mibale. Ya mususu ko katela biso courant. Nanko. Pobo sala cotisation na quartier. Ngaza ikana zo landanga. Ta ona bandi ko prêcher tout ça petit à petit. Yoka siko makambo ko melier. Na bandi ko prêcher pour la première fois. Papa Sunda kiti culte na veste. Mara moko ba mama moko ba teka kan face na nga ba lobi. Esili. Papa oyo akoti si Sunda na occultisme. Sunda komi muta ki si pala costume. Pala ti costume. Yoka siko njoka nde ba twa mokili ba lingi osala kaka mutu ya se. Mutu ko kita, mutu asali. E ko simba te. Amen. Amen. Ça dit ba message ki komo na zakina ba kilo tu moko. Ya mulongosi. Wale zakala. Zakala. Coupé en la boulangerie, ça est normal. C'est là sa patron. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Alors quand je le vois en costume comme ça, je dis, mais cet homme a compris au moins qu'il est grand. Est-ce que tu peux comprendre au moins que tu es grand? Est-ce que tu peux comprendre que tu es grand? Amen. Amen. Mais les gens qui vendaient là devant ma parcelle, mais ce sont aussi des chrétiens. Mais ça peut être Christ. Mais ces gens-là, ça dit, regardez là où ils ont diminué notre Dieu. Ça dit, Dieu est incapable même d'habiller quelqu'un. Amen. Oh, dis-moi, Amen. Je te pose la question. Est-ce que Dieu est incapable d'habiller quelqu'un? Amen. Regardez comment on réduit même notre Dieu. Alléluia. Amen. On a réduit les parce qu'il y a un biso. Il faut au moins ça on a baninga ndengo na tika bango. Sundola bango. Baba toi trempe na yote. Mm. Amen. Amen. Il faut yo ça na trempe bato ba reba. C'est yo ça les sika bato ba za ba ndo musika. Bah ça na comment na musika. J'étais en première primaire, j'ai discuté avec mon ami. Non, en troisième primaire, je m'excuse. Na troisième avec un ami à Lubumbashi. Na ça ko solo na ndeko mona Lubumbashi. Chaque fois je lui disais. Je faisais toujours référence au PDG de la Gécamine. Na ko ça elembo, ya PDG ça Gécamine tamo. Dans ce pays, je deviendrai aussi grand. Ngai ngai pe na ko koma monene lokola. Alors lui disait mais toi tu es malade. Abi yo ça na bokono. Ces gens là c'est comme des dieux. Bango pa saka lokola ba nzambe ba tia koma kabo. Les gens qui nous ont précédés. Mais ont le même corps que nous. La même tête que nous. Les mêmes bras que nous. Les mêmes jambes que nous. Mais peut-être que nous sommes plus que eux. Parce que nous avons un Dieu vivant. Nous devons marquer la différence. Avec ceux qui nous ont précédés. Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Déjà à l'école primaire. Je me voyais toujours grand. Mimona grand. Comment on a été pour peut-être Rosanna, on a un diplôme, on a granté. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu peut te bénir, tu as le diplôme, il te bénit. Tu peux manquer le diplôme, Dieu te bénit. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Dieu. Zambé. Quand est-ce que Dieu a roi? Quand est-ce que le roi Samuel a roi David?
Il avait quel âge? 15 ans, je crois. Il avait 15 ans. Mais il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Amen. Amen. Il était toujours dans la formation de Dieu. Dieu, Zambé, quand il te donne la vision, il te donne aussi la provision. C'est lui-même qui va t'instruire. Il va te donner les outils compatibles à ta grandeur. Amen. 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 Dis-moi amen. Amen. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Comment rendre l'olangadikosala active cette foi qui est affaiblie? On dit tous que nous avons la foi. Mais nous manquons cette assurance. Cette ferme assurance. Mais or, la foi est une ferme assurance. Est-ce que tu espères à quelque chose? Moi, j'espère à quelque chose. Si tu espères aussi à quelque chose, dis j'espère à quelque chose. Regardez maintenant les chrétiens d'aujourd'hui. J'espère au mariage. J'espère au mariage. Je viens à l'église. C'est le tour de ma soeur qui se marie. Pendant le temps qu'on est en train d'applaudir, d'acclamer, de chanter, à l'honneur de marier, alors maintenant toi tu te dis Kabango. Moi, si on a un diplôme, tu es kabango. Bien aimé. Comme toi, tu te fies à ton diplôme. Attends, le diplôme va t'épouser. C'est là le diplôme. Dis-moi amen. Ah. Dis-moi amen. Amen. Comme toi, tu te fies à ta beauté. Attends. Dieu t'enverra un mari beau. Il t'enverra un mari beau. Amen. Mais, selon les pensées des yeux, il ne s'agit pas d'avoir un bon mari. Mais il s'agit d'avoir un bon mari. Quand vous lisez la Bible, l'époux de l'église n'était pas beau. Qui est l'époux de l'église? Jésus. Yes. Il n'était pas beau. Mais c'était un Dieu bon. Avoir un mari beau. Luca. Yena no kabanda nanu ya ye moko. Si tu ba mibala kitoko, bango za nanu mafuta nanu ya ye. Ya ye. Kolata nanu. Ya ye. Donc amilinga kolekanyoso. Si ko akota yo wapi? O kote la. Obala moko miluke la yo moko mibongisa poye paso mibongisa na ndenge nae okobala mobalo chaque samedi akenda kabasa le pedicure manicure akekuna atandi lokolo atie loboko ya yo kote se koti makasa pondo azo kipete biso toza mibalo ezaka ka sizo ekutani mbeli na kati manda nyoso atana minu nalie na le kinzela kitoko mobali bebe ango pa mama. Yo beauté mon mari beauté moi. Yo mon mari gaga beauté beauté OK na ngwap. Amen. Amen. Voilà la loi de la perception. Tala lo lenge mon pote ya kona. Vivant ton rêve, tes ambitions. Ma pente peut d'autre tu veux devenir. Oh yo lingi kokoma. Chaque jour. Mon kolo na makolo. Matin, midi, soir. Ton midi pourquoi? C'est comme quelqu'un qui est en train d'embellir son champ. Et ça le kolo mota sa kolenge la ganaye. Il faut la bongisa. Na koyamba. Moni ndeto bongisa sozo yamba. Oligo yamba papa. Banda ko sa lopango. Biloko nyoso ya propre, makam nyoso ya propre. Ça dire au bongisi, ça dire mutu moko boyaza près de recevoir quelque chose ya sika. Mutu amilenge li koyamba. Oh, sika la kondimate. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça. Tu veux avoir des enfants. Mais comment? J'ai la foi.
que je peux avoir des enfants, mais je suis affaibli. Parce que ça fait beaucoup de temps que je ne vois pas la maternité. Comment maintenant rendre active cette foi? Est-ce que nous manquons la ferme assurance? On espère avoir des enfants. Maintenant, comment nous allons nous approcher à cette réalité? C'est lorsque chaque jour, matin, tu te vois mère. Midi, midi, tu te vois mère. Midi, mama. En train d'allaiter. Osa tu te vois mère. Mama. Chaque jour. Mokolo na mokolo. Que tu vas petit à petit t'approcher Tati na bo solo. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. 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 Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Nasa kote mutu moko. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Ça c'est Pioka. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous sommes toujours dans cette dimension de la foi. Nous allons passer en revue quelques situations qui nous mettent parfois en porte-à-faux avec la foi. Amen. Quelques situations, quelques aspects que nous allons passer rapidement en réflexion. Là, nous sommes devant une faiblesse. Maintenant, suivez très bien parce que mon enseignement d'aujourd'hui commence. Nous sommes devant une faiblesse. Regarde un peu ton voisin. Avi, devant une faiblesse. Je suis pasteur. Je suis un tel. Mais devant une faiblesse, en réalité, je dois décrocher. Parce que je suis devant une faiblesse. Je deviens de plus en plus faible. Mais écoutez la pensée de Paul. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens. Suivez. 2 Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Amen. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la déclaration de Paul. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les jeux. Si vous lisez, vous risquez de croire que chaque fois qu'il est dans les faiblesses, il se plaît, il trouve ça normal, il est dans la joie, parce qu'il est dans les faiblesses. Mais il y a un secret caché. Pourquoi Paul se plaît quand il est dans les faiblesses? Mais toi alors, ton attitude quand tu es dans les faiblesses? Quand tu es faible, tu te plais ou bien tu te plains? Amen. Amen. Regarde ton voisin. Quand tu es dans une faiblesse, tu te plais ou bien tu te plains? Lui il dit, je me plais quand je suis dans. Quelqu'un comprend? Il fait le contraire de nous autres. Amen. On continue. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Est-ce que toi tu te plais dans les outrages? Amen. Nazo prêché moutou. Nazo prêché moutou. Amen. Est-ce que moutou azawa? Amen. Je me plais dans les outrages. Quand je suis outragé, critiqué, malmené, moi je me plais. Mais toi dans les outrages, tu fais quoi? Tu te plains partout. Tu appelles n'importe qui. Même celui qui n'a pas la solution. Toi tu l'appelles. Tu te plains moi qui ne m'en mais lui dit, je me plais dans mes faiblesses et lorsque je suis outragé. Amen. Amen. Dans les privations, dans les persécutions, quand tu es privé de quelque chose, tu agis comment? Tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Dans des faiblesses, dans les outrages. Amen. Toi tu te plais ou bien tu te plains?
yo osepela katolelaka na mona vandi kimia na ngi yo tuna voisin na yo dans les outrages tu te plains ou tu te plains tango batuka kayo osepela katolelaka tomile lalelaka amen amen tu fais quoi osalaka ndenge nini dans la privation tu fais quoi tango makopi mayo eloko salaka aba ponana kaka aba ponana bango na bango bango na bango aba ponana ba pesiye ba pesinga ite nga ite ba pesiye ba pesinga ite toi tu te plains tu dis des choses ezala ba tumusu ba bimana bango église ndengwana akeina amen amen abimina église wa nga mukolo wana ba betsa nga libako ba betsa nga libako yoka libako yoka libako ba betsa nga vraiment libako nga ina boti nga nga penza na boti ba ikotala nga ite yo penzo be yo zanani yoka yoka no d'abord d'abord yo zanani première question na zo tunayo. Deuxième question que je te pose. Yo so kenda kotala nani? Nani? Tsoka boto kenda kotala nani? Amen. Yo kenda kotala nani? Tamba mama basenga kabito ke kotala ndeko na biso aboti. Est-ce que yo so? Tamba mama baloba bito kotize to chata moi 100 francs. Est-ce que yo? Église o bolingo ezate. Non, c'est une bonne chose de quoi bolingo ezate lokola yo za na bolingo. Banda ko la kisabiso. Bolingo. Te ya biso bolingo. Yo te fosa modèle. Maman a boti ok. Bamoni ke azaki ye moko. Osa boti ok. Azana bolingo. Tokolanda yo. Amen. Amen. Menga sko na komi na système moko. Oh pasteur, nde kwa na longwa église. Ah ndini, pourquoi? So na kudio ki kra raison. Eza na ngo raison moko banal. E ya tina te. Nga kutunde na koyede o ya lisusu te. Kende libela. Soko sakani na bati 4e question au botela ki mona ngona ni. Nous avons besoin d'une élite au sein de l'église. Ah. On n'a pas besoin des gens qui se plaignent à cause de rien. Tu vas accoler la peine à pam. Bébé spirituel. Ma bébé sont dans le Seigneur. Aso agir ka roba. Okola raté. Ba me soko ka biberon. Kolela lena. Ngayoyo. Ngayoyo. Église oyo ba futeli nganda kute parce que biso to a Caritas, il faut to futela ka bato bandako. Yaka. Soko zana aja kuzanda kute zonga pa baboti. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que dis-moi amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Muta sepelite? Oui bien l'on a lingala les araboye. C'est-à-dire nga na système à papa oyo na tindi mwana. A boudé à na bétier mais a kekaka. A kekaka. Il y a na bilongo mi balé. A kei et puis azolel. Azolel. C'est-à-dire to so stili ki na ho continue kaka. Oh dis-moi amen. Ti oko changer. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Dans les outrages. Dans les privations. Nakopi mama. Dans les persécutions. Nakonyoko ko dans les angoisses. Na minyoko. Azo sepela kaka. Oh Paul. Au niveau dimension liko. Pardon. Dans les angoisses. Na minyoko. Lui il se plaît. Yazo sepela neka. Parce qu'il y a un secret. Pointe ezane na sekele moko na se. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Tu peux me dire amen? Amen. Parce qu'il y a un secret. Il y a un grand mystère qui se cache dans les amen. Amen. Dans l'angoisse. Minyoko, lui, il se plaît toujours. Yazo se pela kaka. Oui, bien angoisse. Huh. Angoisse. Oui, bien. Au sali bananaos bakokisi 10 ans. Na 10 ans, moi, na 10 ans, na kenda classe. Amen. Au cours de 10 ans au botité. Aux 20 ans chômeur. Au salakaté. Et le comment est-ce que mais aux ans bagage intellectuel. Namayel aux ans amen. Amen. Mais Paul il dit même dans les angoisses, moi je me plains. Nazo se pela kaka. Je continue. Nakobi. Pour Christ. Pona Clisito. Voilà les secrets maintenant. Tala secret ça y est. Pour Pona Clisito. Je mets une parenthèse. Na fongoli mo litono. Écoutez bien aimé. Yo kamolinga mi. Je vais toucher un petit mystère. Na ke kosi mama mabomba mi moke. Parce que quelqu'un est connecté, quelqu'un. Moto moko kanga mi na ngwende. Soit connecté, soit connecté. Kobungisa makanisi yote zalao. Écoutez bien aimé. Yo kamolinga mi. David. David commence à préparer la construction du temple. Abani ko lengela ko tonga tempelo. Sœur moko azola la na sima kuna. David commence à préparer la construction. Il prépare la construction. En achetant les éléments pour la construction. Pas
Dieu, écoutez ce que Dieu dit à David. Dieu dit à David. David. Toi, tu ne peux pas construire le temple. C'est ta descendance qui va construire le temple. David n'avait pas bien compris la révélation. David a cru que Dieu parlait de son enfant. David a cru que Dieu parlait de Salomon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oh, Dieu était en train de parler de sa descendance par rapport au temple perpétuel. Amen. Amen. Je vais rapidement. Nous sommes... Jésus-Christ est en train de quitter Jéricho. Il est en train de quitter Jéricho. Maintenant là, je suis en train de définir directement la foi. Il est en train de quitter Jéricho. Mais la Bible dit qu'il y avait un mendiant qui était avec. Ce mendiant s'appelait Bartimée. Or, selon la loi du temple de Salomon, la loi de Moïse, ici je suis en train de parler du temple de Salomon, cet aveugle n'avait pas part dans le temple. Cet aveugle ne pouvait pas s'approcher du temple. Et quand ayant entendu parler de Jésus, il cria d'une voix forte: Jésus, fils de David. Il a fait référence à quoi? Il a fait référence à la promesse de Dieu vis-à-vis de David. Que ta descendance va construire le temple perpétuel. Donc Bartimée a compris. Bartimée, c'est le temple de Salomon. Le temple de Salomon avait une loi. Et là, qui l'empêchait d'y entrer et de recevoir la guérison. Mais d'après la loi, le temple perpétuel, le temple de Salomon, il n'y a pas de mindelo interdit. Il n'y a pas de limitation. Il a crié. C'est comme s'il les appelait à il avait promis un temple perpétuel. Si je m'approche à celui-là, je serai guéri. Écoutez bien aimé, les disciples l'ont empêché. Par rapport à quoi? Ce n'était pas parce qu'ils étaient... Ils avaient de la haine contre Bartimée. Mais ils le faisaient selon la loi. Et Bartimée ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Mais or, Jésus qui est le temple perpétuel. Jésus qui était le temple perpétuel. Avait besoin que cet homme s'approche de lui. Amen. Autrement dit, la foi s'appelle Jésus. Et bien ami, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je vais redéfinir. Na lingi ko limbo la yo. Je vais reformuler la phrase. Na lingi na ba. Oh, la foi. Zoka ko lima. Tu fermes assurance. Ezali tinga monene. Des choses qu'on espère. Ya betoli ko lika. Or Jésus. Zoka Yesu. Tu fermes. Azali. Assurance. Tinga monene. Des choses qu'on espère. Ya ma tabo ko lika. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Jésus, Yesu, est la ferme yende assurance des choses qu'on a fait. Ah. Ah. Prophète. Mosakol. Prophète. Mosakol. Écoutez. Yoka. C'est ça la foi, Jésus. Kondimande yona Yesu. Amen. Amen. Ce que moi je suis incapable de faire, Jésus est capable de le faire. Ce que Jésus est capable de faire, c'est ça qu'on appelle le surnaturel. C'est ça qu'on appelle l'implosion du miracle. Amen. Je vais vers Jésus. Et puis Jésus va me donner ce dont j'ai besoin. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je vais vers lui. Amen. Parce que lui, si, même s'il s'agit de la mort, attention, du fait que lui a transcendé la mort, il a donné la vie. Amen.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je m'approche à Jésus. Na pousse ni pe na Yesu. Plus j'ai la vie en abondance. Plus je m'éloigne de Jésus. Mingi na sabo sika Yesu. Plus je n'ai rien. Mingi na sabo. Mais quand je m'approche. Tango na pousse ni. Mais Bartimée avait quelle foi? Kasi Bartimée zaki na konyi. Mais Bartimée. Bartimée. La seule foi qu'il avait. C'était Jésus. S'approchait de Jésus. Oui, c'était tout. Ayant entendu parler de Jésus. Or, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Apocalypse dit que lui s'appelle la parole. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter maintenant? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Écoutez ce secret. Quittez le christianisme. C'est là où vous échouez. Soyez des fils. C'est là où vous allez réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On a beaucoup de chrétiens. Mais on a peu de fils. Quittez la dimension de la Bible. Allez dans la dimension de la parole. Comment est-ce que vous j'ai envie de parler. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ta foi le roi? Quelqu'un peut acclamer ta foi le roi? Au Seigneur. Amen. 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 Écoutez bien aimé. Yo kamo lingami. Un exemple concernant la faiblesse. Ndakisa mko na wetali botawo. Pierre. Petelo. En prison. Na boloko. Avec Antipas. Na Antipas. En prison. Na boloko. Ils sont faibles. Basaki na botawo. Affaiblis. Balemba ki désespéré. Mabungisa ki elikia. Parce que je suis en train de prêcher quelqu'un qui est en prison. Basa kote ya moto moko. Désespéré. Mais. Ah, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime. Ça j'aime. On a l'ingaraming. Malgré ce moment de faiblesse. La Bible dit Pierre. Et Paul, je m'excuse. Je suis en train de parler. Paulo, Paul. Paul. Et Antipas. Ben Antipas. On commence à faire quoi? À intercéder. À chanter. Ils étaient en train de chanter. De louer, d'adorer. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer, dans leur faiblesse, je suis dans les surnaturels. Je prêche quelqu'un qui est dans la faiblesse. Quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un qui se voit dans une cage. Dans une prison. En train de pleurer. Cette personne, pendant ce temps, elle ne faisait que chanter, adorer. La Bible dit, pendant ce temps, il y a un grand tremblement de terre. Mais les gardiens de la prison dormaient. Les geôliers dormaient. Mais or, pendant ce temps, c'est passé les surnaturels. Les surnaturels. Amen toujours les miracles. Les surnaturels. Adorer. Chanter. Pendant ce temps, un tremblement de terre va secouer la prison. Boloko. Va bouger même la fondation de la prison. Écoutez bien. Gangwa Zalaki, pour la combattre la bango, a surtout qu'il a pongi. A eu remarqué que toutes les portes étaient déjà ouvertes. Il a commencé à trembler. Il voyait déjà sa mort. Il a pris son épée. Il voulait donner sa mort. Se donner la mort. Pendant qu'il voulait se donner la mort, Paul lui dit non. Ne fais pas ça. Ne te donne pas la mort. Tous les prisonniers sont ici présents. Tous les prisonniers sont là. Parce que lui pensait que on a les gens sont arrivés, ils ont brisé toutes les portes de la prison. Et puis les prisonniers se sont envolés. Mais tout le monde était là. Et les gens étaient en train d'admirer la manière dont Paul
son frère est en train de chanter, d'adorer Dieu. Et le jour, la Bible dit ceci. Lorsqu'il a remarqué que personne n'avait fui la prison, il a dit non. Vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu puissant. Qui est capable d'ouvrir toutes les portes de la prison? C'est Jésus-Christ qui est capable. Est-ce que c'est possible qu'un prisonnier soit libéré ce matin? Soit libre au nom de Jésus. Ce qui te retient, qui te libère aujourd'hui. Ce qui te retient, ce qui bloque ta vie, ce qui ferme tes portes, qui te libère aujourd'hui. Sois élargi de la prison au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Pendant ce temps, le geôlier est allé vers Paul. Il s'est agenouillé. Il a reçu Jésus. Ma prière ce matin, celui qui est à la base de problèmes qui roulent ta vie puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie. Puisse confesser de tout ce qu'il a fait dans ta vie au nom de Jésus. Les Géoliens a reçu Jésus dans la faiblesse de Paul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la faiblesse de Paul, Géoliens a reçu Jésus. Quelqu'un m'entend? Amen. Dans la faiblesse de qui? De Paul. Mais le geôlier aussi a reçu Jésus. Dans le vrai secret, c'est que quand tu es dans la faiblesse de Christ, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dans la faiblesse de qui? De Christ. Oh, la Bible dit c'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours. On nous considère comme des rebuts. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Sois les vainqueurs de toutes les générations. Pas celui qui nous a aimés. Pas Jésus persuadé. Ni la mort. Ni la vie. Ni les anges. Ni les présents. Ni l'avenir. Ni les choses d'en haut. Ni celles d'en bas. Ni le pouvoir. Ni la pauvreté. Rien de ça. De l'amour de Dieu manifeste en Jésus. Alléluia. Amen. 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 Dans ta faiblesse, viendra ta force. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Donc, il finit par dire, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Gloire au Seigneur! Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire amen? Gloire au Seigneur! Quelqu'un peut me dire amen? Amen! Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen! Amen! Dans la faiblesse. Deuxième point. Devant un défi. Amen! Amen! Lorsque nous sommes devant un défi, c'est ce qui nous met en porte-à-faux avec la foi que nous avons. L'instabilité. Amen. Amen. Lorsque nous sommes devant un défi, je suis devant la mer rouge. Je suis devant la mer rouge. Quel défi planétaire? Devant la mer rouge, Moïse, dans sa folie, suivez très bien. Dans sa folie, Moïse va prendre des familles et des familles pour les amener hors d'Égypte. Qui peut comprendre cela? Imaginez, il y avait des intellectuels, il y avait des gens. Qui avait la destinée. Mais Moïse arrive. Il annonce à ce peuple qu'aujourd'hui, toi là, tu seras libre.
Je suis en train de dire à une personne. Vous savez, le monde de Dieu, c'est ça la folie. C'est ça la folie. Quand moi je viens, je dis que tu es libre. Parfois ça dépasse l'attendement de l'homme. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit confiez-vous à l'éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Qu'est-ce que la Bible veut dire? La foi en Dieu. Vous avez l'assurance de du salut. Mais Kasi, en ses serviteurs le prophète vous aurez du succès. Cela veut dire quoi? Si vous croyez en ses serviteurs le prophète vous aurez du succès. Comment tu peux expliquer ça à un intellectuel? Parfois toi tu es plus intelligent que moi. Parce que tu as des moyens plus que moi. Tu as les atouts plus que moi. Mais moi je viens te dire. Ici il ne s'agit pas d'avoir confiance à moi. C'est ça le problème. Ici il ne s'agit pas d'avoir confiance à moi. La confiance est là. Raison pour laquelle vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Mais au-delà de la confiance, il y a la foi envers l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que la Bible dit. La confiance. Écoutez très bien. La confiance. Vous savez, même des hommes de Dieu, elles ont confiance à leur mari, les enfants, les parents. Mais la dimension au-delà de la confiance que vous avez envers votre fils, vous devez maintenant avoir la foi, la confiance. Quand elle est là, en voyant votre fils, vous le voyez réellement votre fils. Mais la foi, quand vous l'avez envers votre fils, il change de statut. Et il n'est plus fils, il devient père. Or père en Israël, c'est une source. On ne peut qu'aller puiser dans une source. Amen. Ta femme, moi si non, lorsqu'elle te regarde, elle a confiance en son mari. Mais non, cela ne suffit pas. Elle doit monter des dimensions. Pour voir le succès. Pour avoir le succès, elle doit avoir foi en vous. Parce que là, vous quittez l'étape du mari au père. Le même mari est devenu père. Il devient une source de bénédiction. C'est alors que vous aurez le succès. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quittez l'étape de la confiance. Ayez la foi. Et vous aurez du succès. Moïse. Écoutez. Yoka. Nazo me mayo na voyage wana ya mer rouge. Yo pe okoti na kati. Peut-être autant que vous me comprenez en bien. Écoutez très bien. Yoka madame. Dans sa folie. Kati libo manaye. Il prend des familles et des familles. Asuma bota na mabota. Comme si cela ne suffisait pas. Mokola yango ekoka. Il va prendre même les cadavres, les os de Yanani. Ake kozata mikuwa ya bakufi. Yanani ya ya Joseph. Ya Joseph. Ba memiam. Ba kenan. Ba yinango devant. Beaucoup de murmures commencent. Beaucoup de cris. J'étais là. Qui était là avec moi? Qui était là? Amen. J'étais là. J'ai écouté quelqu'un qui disait. Moi je suis plus que Moïse. Je suis intellectuel plus que Moïse. Il doit être malade. Il nous amène ici. S'il connaissait la géographie, il n'allait pas nous amener devant la mer. Il n'a pas la notion de la cartographie. Raison pour laquelle il nous a amené devant la mer. Moi j'ai la notion. Voilà la route qu'on devait emprunter. C'est le Seigneur qui te reçoit. Oh, Tsoka. Ah. Oh, Tsoka. Oh, j'étais là. Nana c'est là tu vois. En secret, Nankuku. Dieu avait révélé à Moïse. Zambe c'est là qui c'est qui Moïse. La foi empruntée. C'est là qu'il te reçoit. Amen. Amen. Mais toi, tu connais la voix selon tes capacités.
selon ta connaissance. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la connaissance, ni par la puissance. C'est pas mon élimo. Oui. Ça, c'est malade. Beaucoup de bruit. Voilà ce qu'il nous fait. Je vous dis, c'est quoi? Le fils de Lévi est malade. C'est un ivrogne. Il est malade. Or, écoutez maintenant la révélation. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir cette révélation? Écoutez la révélation. Écoutez bien aimé. Vous savez pourquoi Dieu avait amené Moïse à la mer? Parce que Moïse a été sauvé de l'eau. Oh. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. La Bible dit que lui-même son nom signifie tiré de l'eau. Donc, il a été sauvé des autres. Donc il était question maintenant de sauver les autres. Il y a comme qui s'appelle Bato. Nanzela. Les autres. Yamai. Pour moi, il y a pas qui Moïse. Je peux avancer. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Écoutez bien. Mais ici, devant la mer, c'est, oh, you malade. Amen. Amen. Quel bruit! Quel murmure! Moïse fait face à trois défis majeurs. Le premier défi, l'eau qui est en face de lui. Le deuxième défi, c'est le peuple qu'il a voulu sauver. Le troisième, c'est l'armée de Pharaon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui fait face à un défi? Est-ce que je parle de quelqu'un qui fait face à un défi? Est-ce qu'il est là ce matin? Que Dieu te bénisse. Trois défis majeurs. Devant cet imbroglio. Devant ce tourment. Les cris de partout. Nous sommes devant la mer. Derrière nous. C'est l'armée. Vous savez. Or. Personne n'ignorait la rencontre de Moïse et de Dieu. La Bible dit, pendant qu'il était en train de passer, il a vu un buisson ardent. Les buissons avaient des épines.
Thank you.
Alléluia.